Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment cloner un site WordPress grâce à l'application Softaculous que vous trouvez en général dans le cPanel. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre cPanel, vous vous rendez à l'onglet Logiciel ici et vous cliquez sur Softaculous Apps Installer. Donc, il faut bien évidemment avoir un site WordPress installé via Softaculous. Si ce n'est pas le cas, vous avez un WordPress qui a été installé de manière traditionnelle, je vous renvoie à mon tutoriel vous indiquant comment importer un WordPress sur un même serveur dans Softaculous. Donc, une fois que vous avez votre WordPress géré par Softaculous, vous vous trouverez donc dans votre liste ici. Bon, là, il n'y en a qu'un, mais si vous avez plusieurs sites, ils seront tous listés ici. Et pour le cloner, il vous suffit de cliquer sur l'icône des deux pages où c'est indiqué clone. Donc, vous cliquez dessus. Vous choisissez le protocole avec lequel vous voulez cloner votre site. On va prendre HTTPS avec les 3W, mais après ça, c'est un choix personnel. Et vous allez donc choisir le domaine où vous souhaitez installer votre clone, donc domaine ou sous-domaine. Vous voyez que là, vous avez la liste des domaines et sous-domaines disponibles. Alors attention de ne pas prendre le même, bien sûr, de ne pas en prendre un sur lequel vous avez déjà un site installé. Ensuite, si vous voulez cloner votre site dans un sous-dossier, c'est ici qu'il faut indiquer le nom de ce sous-dossier. Moi, ce n'est pas mon cas, je le mets à la racine du site. Voilà. Ensuite, le nom de la base de données, bon, ça je laisse gérer Softaculous. Et vous cliquez sur cloner l'installation et vous allez voir. Comme mon site est un site de démo, il n'est pas bien lourd, donc ça va être très très rapide. Après, si vous avez un site qui a beaucoup de contenu, attendez-vous quand même à ce que ça dure quelques minutes. Mais en général, c'est relativement rapide. Donc on va aller vérifier en cliquant sur le lien du site cloné qu'on a bien notre site. Voilà, on a tout notre site qui ressemble comme deux gouttes d'eau au site d'origine. Et on a même accès à l'administration. Voilà. Eh bien écoutez, c'est à vous de jouer maintenant et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!